Oh bah alors là, ça fait du bien ça. Ça fait du bien. Hein. La chatte à Dédé a disparu. Ouh là là. Champion du monde, champion du monde, champion d'Europe, champion d'Europe 2016, champion du monde 2014, champion du monde 2018. Le groupe de la mort, hein, sans aucune contestation. Voilà. Donc on savait avant le tirage au sort que ça allait être un tirage au sort compliqué. Donc les postos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ce tirage au sort. Il y en a qui vont dire, ça y est, c'est mort, c'est foutu. Non, il n'y a rien qui est foutu. Il n'y a rien qui est foutu. Tu es champion du monde en titre, tu es finaliste de l'Euro 2016, et tu vas jouer contre le vainqueur du dernier Euro et le vainqueur de l'avant-dernière Coupe du Monde. Donc voilà, donc si tu es prétendant à gagner une compétition, tu ne dois avoir peur de personne. Voilà, tous ceux qui disent, il faut éviter lui, il faut éviter lui, il faut éviter lui. Pourquoi tu poses cette question-là? Non, si tu es un prétendant à un titre dans une compétition, tu dois remporter n'importe quel match contre n'importe quelle équipe. Donc voilà, c'est vraiment des discours de français. Quand tu regardes le tirage au sort tout à l'heure et que tu regardes tous les footix et les incompétents de l'équipe 21 qui te disent « Oh, il faut éviter lui, oh, j'espère pas lui, oh, j'espère pas lui. » Mais pourquoi? Pourquoi? Voilà, là tu rentreras directement dans le bain, donc ça va être très très compliqué. L'Allemagne, on sait, hein, est en reconstruction, mais voilà, tu as déjà battu l'Allemagne à l'Euro 2016, même si t'es pas la grande Allemagne. Tu les as battus aussi en Ligue des Nations en septembre 2018 avec Areola qui avait fait un match aussi exceptionnel. Ça, c'était le 0 à 0. Tu les avais battus 2-1 au Stade de France. Donc c'est vrai que l'Allemagne, hein, est un peu plus forte qu'il y a 2 ans, avec notamment de très gros joueurs dans cette équipe. Donc voilà, ça va être compliqué, ainsi que contre le Portugal, ça va être très compliqué. João Félix, Cristiano Ronaldo, on sait, hein, le Portugal a un jeu assez défensif comme l'équipe de France. Donc l'équipe de France jouera contre l'Allemagne le 16 juin à Munich. Donc l'Allemagne sera carrément à domicile. Hein. Donc la France jouera à l'extérieur. Après le 20 juin contre le barrage A, le vainqueur du barrage A qui se jouera en mars. Ainsi que le Portugal en troisième match. Donc voilà, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les troisièmes, les quatre meilleurs troisièmes pourront passer. Donc ça laisse encore plus de possibilités à la France. Voilà, ça aurait été l'Euro à l'ancienne à 16 clubs, je vous aurais dit là ça va être très très compliqué, mais la France peut finir meilleure troisième. Donc il y a de grandes chances que la France passe. Hein. Après tout est possible, mais voilà. Donc la France, excusez-moi, tombe dans le groupe de la mort. Donc on sait que Deschamps avait vraiment beaucoup de chance hein, ces derniers temps, que ce soit à l'Euro 2016, à la Coupe du Monde 2018, à la Coupe du Monde 2014, où vraiment la France rencontrait des petites équipes. Hein. Donc le tirage au sort de l'Euro 2020 a rendu son verdict aujourd'hui à Bucarest. Hein. Comme attendu, les Bleus ont hérité d'une grande nation, c'était prévu, mais pire encore, ils sont tombés dans le groupe de la mort en compagnie de l'Allemagne, du Portugal et du vainqueur du barrage de la voie A. Donc on dit souvent que le tirage au sort des grandes compétitions est clément depuis que Didier Deschamps est à la tête de l'équipe de France. Le tirage au sort de l'Euro 2020 est l'exception maintenant qui confirme la règle. Hein. On le savait déjà que les Bleus, non tête de série avant ce tirage au sort, devraient faire face à une équipe redoutable. C'est même bien pire que puisqu'ils sont tombés dans le groupe complètement de la mort. Là, il faut le dire, hein, ils ont été gâtés puisqu'ils affronteront l'Allemagne, le Portugal et le vainqueur barrage de la voie A. Donc qui pourrait être l'Islande, la Bulgarie ou la Hongrie. C'est quand même pas évident. En cas de victoire, la Roumanie sera renversée dans le groupe C pour jouer à domicile. Et c'est donc le vainqueur de la voie D, Géorgie, Macédoine du Nord, Kosovo, Biélorussie, qui sera dans le groupe de la France. Donc si Joachim Löw avait la tête des mauvais jours à Bucarest après le tirage au sort, Didier Deschamps préférait lui en sourire. Les champions du monde 2018 défieront pour leur match d'ouverture les champions du monde 2014 le 16 juin prochain à Munich. La France jouera ensuite le 20 juin face au vainqueur du barrage pour a priori ce qui sera le morceau le plus facile de ce groupe F, même si maintenant hein, il n'y a plus de petites nations, il n'y a plus vraiment de petites équipes. Et enfin le 14 juin, il y aura une autre affiche de gala. La France jouera contre le Portugal pour une revanche de la finale de l'Euro 2016 sans Eder normalement. Et éventuellement tenter de terminer parmi les meilleurs troisièmes si jamais il y en a encore le besoin. Donc les autres groupes seront sans doute un peu moins denses hein, en matière de compétitivité. L'Euro débutera le 12 juin prochain au stade olympique de Rome en Italie, avec une rencontre entre l'Italie et la Turquie. Le Pays de Galles et la Suisse complètent le groupe A. Le Danemark, la Finlande pour sa première présence à l'Euro de son histoire. La Belgique et la Russie s'affronteront dans le groupe B. Les Pays-Bas, l'Ukraine et l'Autriche joueront face au vainqueur d'un barrage pour le groupe C. L'Angleterre a hérité de la Croatie pour un remake des demi-finales de la Coupe du Monde 2018, de la République tchèque et du vainqueur du barrage C dans le groupe D. Enfin, dans le groupe E, l'Espagne est tombée avec la Pologne, la Suède et le vainqueur du barrage B. Bon voilà, je ne sais pas si vous avez tout compris, mais les barrages se jouent au mois de mars.
Donc, comme il y a eu la Ligue des Nations, bah, l'Euro et les éliminatoires se sont joués plus tard. Voilà. Donc, on a vu la réaction de Deschamps, hein, on va vous la dire, hein, après le terrible tirage des Bleus. Donc, l'équipe de France, comme je vous l'ai dit, hein, héritée d'un groupe très relevé lors du tirage au sort de la phase de poule de l'Euro 2020. Donc, Didier Deschamps fait pas la grise mine, on va dire, hein. Donc, après la cérémonie de l'UEFA, des réactions du staff français étaient donc attendues. Donc interrogé, Didier Deschamps a donc livré ses premières impressions. Il cite, il y aurait pu avoir un tirage un peu plus aisé, mais c'est comme ça, on savait les risques qu'il y avait avec un tirage partiel. Au moins on sait à quoi s'attendre sur deux adversaires. En attendant le dernier qui se qualifiera au mois de mars, évidemment il faudra être tout de suite performant dès les matchs de poule. C'est souvent le cas maintenant depuis un petit moment, que ça soit en championnat d'Europe ou durant la Coupe du Monde. Là on rencontre deux grosses équipes qui ont gagné aussi des titres récemment. Donc on a un programme chargé, cite Deschamps. Il faudra bien évidemment être au top tout de suite, donc relancer sur la difficulté de cette poule F. Le sélectionneur français s'est déjà projeté au mois de juin, où ses joueurs devront être efficaces rapidement, et c'est là où il continue à dire, on sait à quoi s'attendre, même si je trouve que depuis quelques compétitions, il y a de moins en moins de possibilités, comme à la dernière Coupe du Monde, de pouvoir monter en puissance dans les matchs de poule. On a vu des équipes fortes qui n'étaient pas performantes tout de suite, et qui ont connu des mésaventures dès les matchs de poule. À lâcher des dés avant de poursuivre, notre tout premier match sera face à l'Allemagne, chez elle, à Munich. Il faudra bien évidemment être au top tout de suite, c'est le tirage qui a voulu ça, donc on connaît notre programme. On va savoir les jours et les horaires aussi pour caler notre préparation en fonction de ça. Donc ce qu'il faut savoir aussi, pour ceux qui ne savent pas, c'est que l'Euro se joue dans 12 pays différents. Donc tu ne peux pas t'installer vraiment dans un seul pays, voilà. Et encore, la France a évité de jouer à Bakou. Ils auraient pu jouer à Bakou le premier match et faire 3 000 km pour après aller jouer au Danemark ou en Russie, je ne sais pas. Donc voilà, au moins la France a hérité, n'a pas hérité de ça. Mais voilà, Monsieur Platini, hein, en 2010, a décidé de faire l'euro à 12 pays. Donc voilà, c'est le premier euro à 12 pays. On sait que maintenant l'euro est à 24 depuis l'euro 2016 en France. Avant, il était à 16. Donc présent aussi en zone mixte, son adjoint Guy Stéphan a lui évoqué la préparation des Bleus et normalement les champions du monde en titre le feront bel et bien à Clairefontaine. Il faut bien réfléchir, mais les distances ne sont pas très longues entre Paris et Munich et entre Munich et Budapest. L'Allemagne jouera à domicile contre nous. Il faudra voir l'ordre des matchs, mais a priori ça sera à Clairefontaine, a lâché le technicien de 63 ans avant de conclure sur l'objectif des Bleus. On a toujours la volonté de finir devant. On savait qu'il y avait la possibilité de finir dans ce groupe, c'est le cas. C'est comme ça, je pense aussi qu'on a des forces, nous. Si on est champion du monde, ce n'est pas pour rien. On va se préparer en sachant que c'est un groupe très relevé. Donc voilà, hein. Rendez-vous désormais en mars pour la prochaine trêve internationale et le début de la préparation de l'équipe de France. Donc si la Roumanie gagne les barrages A, la France jouera face au vainqueur des barrages D, Kosovo, Biélorussie, Macédoine ou Géorgie. Donc voilà, le deuxième match devrait être assez facile, même si je vous dis, il n'y a plus de grosses, de petites équipes. Donc, on va se poser la question. Est-ce que la France est déjà éliminée? Ça, c'est la question que je vois arriver. Ben, je suis désolé, la France, quoi qu'il en soit, même si au niveau du jeu, c'est pas exceptionnel, la France est favorite de 7 euros. Voilà, je suis désolé. La France est favorite de 7 euros. Finaliste de l'Euro 2016, vainqueur de la Coupe du Monde 2018. Certes, à la Coupe du Monde, ils n'ont pas battu des grosses équipes, parce que je suis désolé, on me dit qu'ils ont battu l'Argentine. Mais l'Argentine vraiment était en crise. Ils ont gagné un match contre le Nigeria, où le sélectionneur Sampaoli n'avait plus les rênes de l'équipe, où il demandait carrément à Messi est-ce qu'il changeait lui, est-ce qu'il faisait rentrer Dybala et Agüero, machin, c'est Messi qui décidait. Donc voilà, en quart de finale, l'Uruguay, bon, on a beau me dire l'Uruguay est une grosse nation qui a gagné la Coupe du Monde 2 fois, mais ils l'ont gagné en 1950, ils l'ont gagné. Et même si c'était une grosse équipe, voilà, il n'y avait pas Cavani, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient absents. Puis en demi-finale, la Belgique, bon là, la Belgique, la France a gagné, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ils n'ont pas battu l'Allemagne, ils n'ont pas battu l'Espagne. Ils n'ont pas battu le Portugal, ils n'ont pas battu les Pays-Bas, ils n'ont pas battu des grosses nations. On sait qu'à cette Coupe du Monde 2018, il y avait vraiment de faibles équipes. Là, la France va jouer contre des équipes qui seront mieux, qui seront mieux. Le Portugal est beaucoup mieux qu'à la Coupe du Monde 2018. L'Allemagne aussi est en reconstruction après la déroute de la Coupe du Monde 2018 et cette élimination contre la Corée du Sud dès les phases de poule. Donc, ce qui est marrant, ce qui est simple dans cette poule, c'est que voilà, tu sais que tu as deux gros, Allemagne et Portugal. Tu sais à quoi t'attendre avec ces équipes-là. Voilà. C'est pas pareil que quand tu joues contre l'Albanie, contre
le Danemark ou la Macédoine. Tu sais pas vraiment à quoi t'attendre, vu que ces équipes-là, t'as pas l'habitude de les rencontrer. Quoique le Danemark, souvent tu les rencontres en poule. Mais voilà ce que je veux dire, les petites équipes. On se rappelle, la France avait eu du mal contre l'Albanie, avait eu du mal contre l'Irlande du Nord en huitième de finale de l'Euro en gagnant 2-1 à l'arraché. Voilà, contre des petites équipes comme ça, contre le Nigeria, tout ça, ils avaient eu du mal aussi en Coupe du Monde 2014. Mais là, tu sais à quoi t'attendre. Tu connais le jeu du Portugal, avec le sélectionneur qui est là depuis 4 ans. Tu connais l'équipe d'Allemagne, avec Joachim Löw, qui est entraîneur de l'Allemagne depuis 2006. Donc, tu ne seras pas tellement surpris. Voilà, si tu fais ce qu'il faut, tu sais à quoi t'attendre. Et tu peux pas être dépourvu dans le jeu. Donc, il n'y aura pas d'excuses. Il faudra juste porter tes couilles sur le terrain et montrer de quoi tu es capable. Après, malheureusement, l'équipe, hein, je ne sais pas avec quelle équipe il va jouer, je sais très bien, mais voilà, on voit qu'un Pogba est blessé depuis 6 mois maintenant. On ne connaît pas son avenir, on ne sait pas s'il va rejoindre le Real Madrid. Ça peut être une saison compliquée pour lui. On a vu les blessures de Hernandez, les blessures de Lloris. Est-ce qu'il va revenir à temps? Oui, je pense que oui, mais voilà, il aura un petit peu un manque de compétition. L'attaque, ça pose problème, hein. Griezmann a des problèmes avec Barcelone, même si ça va mieux depuis le match de Dortmund. On ne sait pas si ça va continuer. Olivier Giroud, qui a joué titulaire aujourd'hui, est-ce qu'il va partir de Chelsea pour retrouver du temps de jeu ailleurs? On me dit qu'il va aller à l'Inter, mais à l'Inter, je suis désolé, il sera barré par Lautaro Martinez ainsi que Lukaku. Donc c'est pas une bonne idée pour moi d'aller à l'Inter de Milan, surtout que Sanchez va revenir après de blessure. Donc voilà, c'est un groupe compliqué, mais la France sait à quoi s'attendre. Voilà. On connaît le jeu d'Allemagne, on connaît le jeu du Portugal, avec les mêmes sélectionneurs, donc il ne sera pas surpris. Après, tout dépendra de l'équipe de Deschamps. Il y a beaucoup d'interrogations. Lloris, la défense centrale, Umtiti qui a beaucoup de blessures. L'anglais, c'est pas exceptionnel en défense, même si il est pas mal avec Barcelone, mais c'est pas la sécurité. Sur les côtés, Hernandez est souvent blessé. L'attaque Giroud, est-ce que ce sera fiable et est-ce qu'il aura du temps de jeu depuis? Parce que c'est bien beau qu'on me dise Giroud, il marque toujours en équipe de France, mais il marque contre qui en équipe de France? Oui, il marque contre l'Albanie, contre la Moldavie, contre l'Andorre, ça c'est très bien. Mais contre les grosses équipes, est-ce qu'il marque beaucoup de buts? À la Coupe du Monde, c'est zéro but, même si la France a été championne du monde. Donc voilà. Donc groupe très compliqué. Donc moi, je pense que la France, tout dépendra du troisième match en fait. Je pense contre l'Allemagne, ça va être très compliqué de gagner. Ça va être très compliqué. Voilà. Moi, je pense. Surtout en Allemagne chez elle. L'Allemagne qui est revanchard. On se rappelle de la Coupe du Monde 2018, hein, éliminée en phase de poule, contre une poule en plus qui n'était pas non plus très très forte. Je ne me rappelle plus qui il y avait Corée du Sud, il y avait Suède et je ne sais plus quoi. La France, elle, est en pleine confiance. Voilà, il marche sur une finale d'Euro et une victoire en Coupe du Monde. Le Portugal aussi a fait une Coupe du Monde pas terrible en étant éliminé par les Uruguayens en huitième de finale. Donc c'est deux équipes revanchards. La France a la pression. La France a la pression. Parce que la France est championne du monde en titre. Alors que ces deux équipes-là sont revanchardes. Surtout l'Allemagne. Donc moi je pense que la première place sera attribuée à l'Allemagne. L'Allemagne sera premier, hein, vu que l'Allemagne organise l'Euro chez elle. Sur les 3 matchs, ils vont jouer chez eux. Ça va jouer entre la France et le Portugal le deuxième match. Je pense que la France va devoir absolument faire au moins un match nul et une victoire pour passer. Donc le match nul soit contre l'Allemagne ou le Portugal. Et une victoire absolument contre le vainqueur du barrage, hein, contre l'équipe faible, soit le Kosovo, soit la Macédoine, soit l'Islande. Donc voilà, ils n'auront pas le choix. Mais voilà, je sais que Deschamps, c'est un pragmatique. Lui, je pense que dans sa tête, c'est déjà de ne pas prendre de but. C'est le premier objectif de Deschamps. Faudra pas s'attendre à que la France se livre contre l'Allemagne. On sait comment ça va jouer derrière. Voilà. On peut s'attendre à une très grosse performance d'un gardien. Est-ce que Lloris va retrouver son niveau? Voilà. Après, la France devrait gagner normalement son deuxième match contre cette équipe de barrage. Puis après, ça se jouera contre le Portugal, hein, pour finir deuxième ou peut-être meilleur troisième. Donc ça risque d'être compliqué. Faudra voir aussi les autres résultats dans les autres groupes. Mais voilà, je pense que la France ne battra pas l'Allemagne. Contre le Portugal, ça va être aussi dur de les déverrouiller parce que le Portugal, c'est très défensif aussi. Donc je vois la France sortir de ce groupe avec 4 points. Est-ce que ça suffira pour passer en huitième? Possible, mais on verra bien. En tout cas, pour une fois, la France devra être dans le bain et on n'attendra pas les quarts ou les huitièmes pour avoir une grosse nation. Tu rentres dans le bain directement et moi je préfère qu'on rentre dans une poule très compliquée dès le début plutôt que d'avoir deux équipes de dos et une équipe moyenne et qu'après, voilà, tu as des difficultés en huitième ou en quart. Là, tu es dans le bain direct et tu montres qui est le patron direct. Si tu en as les possibilités, bien sûr. Donc tout dépendra de l'équipe qui va aligner. Donc voilà les postos. Donc on vous rappelle. Le groupe France, Allemagne, Portugal,
Et en attendant les barragistes en mars prochain, donc on vous rappelle, hein, la France championne du monde 2018, l'Allemagne championne du monde 2014, Portugal championne d'Europe 2016 contre la France. Donc là, vraiment, le groupe de la mort, hein, tu pouvais pas faire plus compliqué que ça, je pense. C'est les trois derniers vainqueurs des trois grandes compétitions internationales. Donc c'est bien, on va avoir des beaux matchs dès le début et pas attendre les huitièmes ou les quarts pour voir des matchs de belles affiches. Donc on rentre dans le bain. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez que la France fera dans ce groupe? Est-ce que vous la voyez finir premier, deuxième, troisième, voire quatrième, on sait jamais. Pensez-vous que la France battra l'Allemagne, fera un nul contre Portugal, ou battra le Portugal et fera un nul contre l'Allemagne, ou perdra contre l'Allemagne ou Portugal, ou ils feront un carton plein et gagneront tous les matchs? Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez, ça m'intéresse. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. On nous suit sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, ainsi que sur Utip. Merci pour ceux qui ont donné des dons sur Utip, hein. Continuez les postos, ça me fait plaisir. Et j'ai envie de lancer un petit concept aussi. Dites-moi si vous êtes pour ou contre. Ou j'en parle dans la prochaine vidéo, j'en sais rien. Si, j'ai envie de faire un nouveau concept. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo, les postos. Je vous en parle dans la prochaine vidéo. Donc je compte sur vous pour liker, abonnez-vous, partager, commenter, liker, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, ainsi que sur Utip. Tchuss les postos!